11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je salue Anissa. Salut bonjour. Philippe, bonjour à tous. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Un télécrochet culte de M6 relancé par Amazon Prime Video. Également le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles licencié du journal. Et puis Stéphane Plaza qui jouera ce soir en direct sur M6 une pièce de théâtre. On l'entendra dans un instant sur Europe 1. Mais d'abord évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais. À la première place, on retrouve TF1 avec le match de qualification pour l'Euro 2024 qui opposait hier soir, vous le savez, la France à la Grèce. Une rencontre qui s'est terminée comme ceci. Avec la victoire des Bleus, ce soir la quatrième victoire en 2023. Il s'est terminé tard, 14 minutes tard. D'arrêt de jeu. Ouais. Énorme, effectivement. Beaucoup d'arrêts de jeu hier et une victoire, vous l'avez entendu, 1-0 avec un but sur pénalty de Kylian Mbappé à la 55e minute. Et 6,9 millions de téléspectateurs au rendez-vous. C'est un très beau score pour la Une, bien supérieur à celui de vendredi soir lors du match France-Gibraltar. Derrière, on retrouve France 2 avec Abyss, 1,9 million de téléspectateurs pour la série de science-fiction portée par Cécile de France. Là, c'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Arnaud, le magazine de Julien Courbet qui reprend un petit peu des couleurs, 1,7 million de téléspectateurs. 6,9 millions, c'est pas mal, mais de mémoire, je crois que HPI a réussi à faire davantage. Oui, alors c'est quand même 33% de part d'audience, ce qui est très bien pour un match. J'ai pas dit que c'était pas bien, oui, mais c'est normal, c'est du foot. Jamais le foot ne marche pas. C'est fait pour du foot, voilà ce que je voulais dire. HPI a fait beaucoup, beaucoup plus et c'est énorme pour une série. Un peu plus tôt, en Access Prime Time, l'événement était hier sur France 2. À la fin du 20h d'Anne-Sophie Lapix, plus précisément, avec un invité de marque. Bonjour Elon Musk. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview, car je sais que vous en accordez extrêmement peu. Donc nous sommes vraiment très privilégiés et très reconnaissants. Elon Musk, un patron de Tesla et Twitter, qui répondait aux questions d'Anne-Sophie Lapix. Une interview qui n'était pas en direct, qui a été enregistrée vendredi dernier, qui a été regardée par 3,7 millions de téléspectateurs entre 20h35 et 21h10. Et c'est un beau score, supérieur à celui enregistré d'ordinaire dans cette case, avec le feuilleton Un si grand soleil. Europe 1, le journal des médias. Amazon Prime Video va relancer une émission culte des années 2000. Et il s'agit d'un télécrochet diffusé à l'époque à la télévision. Les plateformes n'existaient pas sur M6, plus précisément. C'était entre 2001 et 2007. Et si vous n'avez pas encore trouvé chez vous, chers auditeurs d'Europe 1, Popstar, évidemment. C'est de cette émission dont il s'agit, un format qui a révélé des chanteurs comme Matt Pokora et Chimène Badi et que va donc ressusciter Amazon Prime Video. C'est ce qu'a annoncé hier la plateforme qui précise, sans donner leur nom, que le jury sera composé, je cite, des plus grands artistes de la scène musicale française. À noter que la date de diffusion n'a pas encore été annoncée. S'ils ont 200 000 euros par jour de tournage, ça va être facile. L'ARCOM a dévoilé hier une grande étude sur la diffusion télé de la dernière Coupe du Monde de football au Qatar. Un véritable succès selon l'institution. Le boycott annoncé n'a pas eu lieu, avec des audiences en forte hausse par rapport à la précédente édition, relève l'ARCOM. Au total, ce sont plus de 6 Français sur 10 qui ont regardé au moins un match durant cette compétition. Une bonne affaire donc pour les diffuseurs et notamment TF1 qui a généré un chiffre d'affaires publicitaire de 151 millions d'euros durant cet événement, soit une hausse de 37% par rapport à la Coupe du Monde 2018. Le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, licencié du journal. Geoffroy Lejeune qui avait été mis à pied il y a une quinzaine de jours, on vous en avait parlé ici même sur Europe 1 et cela suite à des désaccords éditoriaux avec l'actionnaire du journal. Hier sur Twitter, Geoffroy Lejeune, qui ne s'était pas encore exprimé publiquement, a indiqué avoir, je cite, « reçu son courrier officiel de licenciement. Mon éviction vient de prouver que trop d'opposition accumulée me condamnait », écrit Geoffroy Lejeune. On a également appris hier le nom de son remplaçant. Il s'agit de l'actuel directeur adjoint du journal, Tuc Dual-Denis. Info Mercato, il y a du mouvement en interne au sein d'M6. Avec une information dévoilée par Le Parisien et qui concerne Karine Gueoc-Thuram, la journaliste avait pris à la rentrée un congé sabbatique pour se consacrer à sa passion, la musique. Vous l'aviez d'ailleurs reçu, Philippe, ici même sur Europe 1. Et on a même passé des extraits et elle chante très bien. Exactement, du Nina Simone. Alors au départ, elle devait reprendre les commandes du 12-45 à la rentrée, mais ça ne sera finalement pas le cas. C'est dans un autre programme de la chaîne que vous la retrouverez dès septembre. Ça sera dans l'émission 66 minutes, un programme diffusé le dimanche en fin d'après-midi. Elle succédera à Xavier Demoulin, qui le présentait, ce programme 66 minutes, depuis 2012. Xavier Demoulin
qui restera en revanche la saison prochaine aux commandes du 1945. De son côté, pour terminer, le 1245 continuera d'être présenté par Nathalie Renoux, hein, qui avait pris l'intérim de Karine Gyok-Turam, mais qui restera donc à ce poste plus longtemps que prévu. Voilà, et puis le son qu'on a entendu, c'était le générique de 66 minutes. Hein. Exactement, c'était pas, très reconnaissant. Voilà, on n'était pas dans une rêve partie. Une émission hebdomadaire pour Antoine Decaune la saison prochaine sur Canal+. Un programme autour du cinéma, ça sera le vendredi soir sur la chaîne Cryptée et ça durera une quarantaine de minutes. Hein. C'est une information du Parisien que nous sommes en mesure de confirmer. Antoine Decaune, hein, fin connaisseur du cinéma, qui était d'ailleurs hein, pendant le dernier festival de Cannes, tous les jours sur l'antenne de Canal+, et qui a également lancé cette saison sur Canal, Genre, hein, c'est une émission qui analyse les différents genres, les différents courants du cinéma. Elle est passée devant le vin. Pour un repas du midi, buvez une bière à 3 ou à 5 degrés, ben c'est sympa. Elle brasse large. Qu'on soit juste local, fait vendre. Si on rajoute local et bio, ah, ça va encore vendre. Bière, la pression monte, mardi à 21h sur France 5. Mardi, c'est ce soir, télescopage avec l'actualité. On va parler de bière ce soir sur France 5. Oui, avec ce documentaire diffusé en prime time et ce titre, hein, vous l'avez entendu, comme toujours très décalé, hein, bière, la pression monte. Alors c'est un sujet très fouillé consacré à cette boisson. Je ne sais pas si vous le saviez, Philippe Anissa, qui est devenu il y a un an l'alcool préféré des Français. Ah oui. Et oui, détrônant ainsi le vin. Vous savez quoi ? Je l'ai appris dans Le Pèlerin, dont on recevra le rédac-chef dans quelques instants. Et pour France 5, eh bien, la diffusion de ce documentaire intervient à point nommé après une séquence, hein, qui a beaucoup fait réagir. On est sur un cul-sec du président de la République. C'est avec modération, il faut préciser. Avec modération, évidemment. Le président Emmanuel Macron, un samedi soir dans les vestiaires de Toulouse, après la finale du top 14 de rugby, descendant cul-sec une bouteille de bière. A noter que sur un plan médiatique, et c'est ce qui nous intéresse, cette séquence s'étire comme rarement dans le temps. Elle continue de faire parler en ce début de semaine, notamment dans le rang des opposants politiques d'Emmanuel Macron. Et sur Twitter, j'ai regardé hier après-midi, elle était toujours dans les trending topics, c'est-à-dire les sujets les plus débattus sur le réseau social. Non mais quel effet sonore. C'est Anissa nous dire qui t'a fait qu'on part sur la table. Mais non. On part au théâtre pour finir ce journal avec M6 qui diffuse ce soir une pièce en direct. Depuis le théâtre. On recule devant rien. Depuis le théâtre des Bouffes parisiens, ce sera à 21h20. Alors la pièce en question s'appelle Un couple magique, une pièce écrite par Laurent Ruquier dans laquelle joue Stéphane Plaza, donc, mais également Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès. Un vaudeville hein, qui a eu un gros succès partout en France avec plus de 200 représentations et près de 200 000 spectateurs au compteur. Et cette aventure sur les planches va donc s'achever à la télévision hein, avec cette captation en direct. Alors j'ai rencontré Stéphane Plaza et je lui ai demandé eh bien, dans quel état d'esprit il abordait cette représentation forcément un petit peu particulière. Ça va tout changer, enfin, sur notre jeu peut-être pas, mais la pression sera supplémentaire. Le théâtre à la télé n'est pas toujours facile, et puis vous savez, bah, si vous loupez une réplique, vous mettez en danger un peu peut-être tout le jeu de tout le monde, donc on aura un stress maximum. Ouais, qu'est-ce que ça change techniquement hein, pour un comédien de jouer une pièce à la télévision ? Il y a des micros qui vont être positionnés sur la salle, il y aura des caméras qui seront aussi dans la salle, donc peut-être que comme on intervient, on part de la salle, on intervient aussi de la salle, mais on peut pas tout dévoiler. C'est les caméras qui vont s'adapter à nous. Finalement, nous, on ne sera pas déstabilisés. On aura peut-être moins de rire puisqu'on ne peut pas remplir le théâtre quand on fait un live, puisqu'on donne la priorité aux téléspectateurs. Et donc, le théâtre ne sera pas plein pour faire place aux caméras parce qu'on va donner quand même la priorité, entre guillemets, à cette soirée exceptionnelle. Stéphane Plaza au micro d'Europe 1 Culture Média avec, vous l'avez entendu, toute une partie de la salle qui sera condamnée ce soir, des rangées entières qui ne pourront pas accueillir de public. C'est là qu'on mettra les caméras et c'est donc à retrouver ce soir sur M6. Ça s'appelle Un couple magique et c'est à 21h20. À demain. Merci beaucoup Rémi Jacob et à demain pour un nouveau journal des médias.